Vous l'avez compris, nous poursuivons notre cheminement dans les cultes, un pas à la fois. Nous avons décidé cette année de parler des femmes contemporaines de Jésus et ce matin nous allons parler de Marthe. Il ne faudrait pas passer à côté de ce texte. Souvent je me dis que si un texte est dans la Bible, c'est pour une raison, c'est pour nous laisser quelque chose. Il ne faut pas rater l'enjeu de ce texte et l'enjeu véritable de ce récit pour en faire un prétexte, une Marthe, une femme qui rouspète, qui n'est pas contente et qui exprime son mécontentement à Jésus. C'est d'abord un événement qui devient un récit, c'est une occasion qui s'est manifestée, c'est qu'est-ce que Jésus dit et qu'est-ce que Jésus ne dit pas. Il y a de la tension dans ce texte, il y a de la tension dans l'air. Il manque quelque chose. La clé se situe moins à ce qu'il faut enlever qu'à ce qu'il faudrait intégrer dans cette histoire. Ce texte nous parle de motivation, d'animation, de sens, d'action, mais sans contenu. Il manque quelque chose. Y a-t-il quelque chose à enlever? Faut-il injecter quelque chose dans ce texte? En fait, il manque l'essentiel, le in, le souffle, la vie. À l'agitation, la confusion, à la loi, l'esprit de la loi, à la croix, l'esprit de la croix. Si tu le fais, Marthe, fais-le dans l'amour. Essayez, de garder ça à l'esprit. Tu t'inquiètes, Marthe, tu t'agites, nous dit le texte. Tu t'inquiètes, c'est la dimension intérieure. Tu t'agites, c'est ce qui se voit, c'est la dimension extérieure. L'objet de l'histoire, le point névralgique, ce qui manque, ce qui pose problème. Tu t'inquiètes, tu es anxieuse. Ton état d'âme est dérangé intérieurement. Diffraction mentale et psycho-émotionnelle. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de satisfaction intérieure, de contentement intérieur, de silence intérieur, Matthieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'y a pas de sérénité. C'est la situation de l'Église, il manque l'essentiel. Et si nous prenions Ésaïe 54 ? Les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancelleraient. Quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon alliance de paix ne chancellera pas, c'est ce que nous dit ce texte. Marthe, tu es chargée, tu t'affaires à beaucoup de choses. C'est pareil, on retrouve cette dimension intérieure qui se retrouve à l'extérieur. Pas de paix intérieure, donc agitation extérieure. On retrouve là le Christ dans la barque, au moment de la tempête. Les disciples sont complètement révoltés, ils ne savent plus que faire, ils réveillent Jésus. Mais Jésus ne connaît pas la peur. Pour lui, ça baigne dans l'huile. Pas de souci. La dimension extérieure, tu t'agites, attitude extérieure, mais c'est l'intérieur qui produit une extériorité. Nos œuvres extérieures en faveur des autres glorifieront Dieu si notre intériorité est en paix et si notre intériorité témoigne et notre témoignage sera donc à son image. Dans quel état sommes-nous habituellement? Comment entrons-nous par exemple dans le repos du sabbat? Je vous laisse y réfléchir. Je m'interroge aussi beaucoup. Lorsque cette pandémie est arrivée, je rêvais d'une bonne grippe pour rester à la maison, me reposer un peu, parce
parce que j'en avais marre de cette agitation. Mais quelle était ma véritable motivation? Finalement, qu'est-ce qui nourrit mon état extérieur? Avant de se lever pour Christ, Marie va s'asseoir aux pieds de Jésus. Marie fait le plein. Elle se met à genoux. Elle se met à l'école. « Prenez mon joug sur vous », nous dit. La lecture dans la parole vivante nous parle de se mettre à l'école de Jésus. Mettre en commun avec Christ sous son joug. Priorité à la dimension intérieure, qui va produire une réalité extérieure qui glorifie Dieu. La question est, qu'est-ce qui doit nourrir cette intériorité pour que le silence règne, pour que la paix existe? Dans son texte Jésus-Christ, au chapitre L'Invitation, Ellen G. White nous parle de ceux qui se reposent le plus en Christ et qui le suivent le mieux. Ce sont donc ceux qui se reposent le plus en Christ qui le suivent. En fonction de l'état du cœur, Dieu refuse ce que la main fait. Sincérité de cœur, il n'est pas là question de religion. Dans Genèse 4, le texte nous dit que l'Éternel jeta un regard favorable sur Abel et son sacrifice, et jeta un regard défavorable sur Caïn et son sacrifice. L'état de notre cœur, notre personne, c'est ce qui intéresse Dieu avant tout. Et avant même ce que nous pouvons faire pour lui. Ce qui se passe dans le cœur de Caïn n'est pas déposé aux pieds de Dieu. Il apporte un service qui n'est pas recevable. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas se laisser instruire. Il ne veut pas s'asseoir aux pieds de Jésus comme Marie, comme Marthe. Il apporte de jolis fruits, mais il y a quelque chose contre Dieu dans son cœur. Un sentiment mitigé à l'égard de son frère, comme Marthe et Marie. Sa main refuse ce que la main fait, Dieu, pardon, refuse ce que la main fait en fonction de l'état du cœur. Infection de l'âme, idolâtrie, impureté, hypocrisie, suffisance, orgueil, satisfaction de soi, intempérance. On retrouve tous ces éléments dans la critique de Jésus dans Matthieu 23 qui parle des scribes et des pharisiens. Jésus nous décrit l'état des scribes et des pharisiens. Il leur dit « Nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe, parce que si l'intérieur de la coupe est sale, tout ce qu'on mettra dans la coupe sera sale. » Motivé, mais quel est l'état de mon cœur? Est-il malade? Matthieu 7 nous dit « Un bon arbre porte de bons fruits. » Quel est l'état de mon âme? Pharisien, aveugle, hypocrite, si la coupe est sale, tout est sale. Il nous faut fréquenter l'agneau. C'est ce qui manque dans cette histoire. Fréquenter celui qui apporte l'agneau, le Saint-Esprit. L'agneau est pur, inoffensif, aimable, doux. C'est l'esprit de la croix. Quel est l'état de mon cœur? Comment je vois les autres? Il y a un manque cruel de quelque chose. Agneau, cœur, remplissement du Saint-Esprit dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce que Marthe aurait dû faire? Soit que Marthe adopte une autre attitude, un autre état d'esprit, et qu'elle reste dans sa cuisine, et qu'elle y travaille avec joie, d'une main joyeuse, avec beaucoup d'amour. Et là, je ne suis pas sûre que Jésus lui aurait répondu la même chose. Soit que, au lieu de préparer un repas compliqué, entrée, plat, dessert, vous savez, eh bien, elle fasse quelque chose de plus simple, parce que finalement, c'est dans la simplicité que se trouve l'essentiel. Et plutôt qu'une multitude de plats, une soupe aurait suffi à Jésus, qui n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Et puis, elle aurait pu, en fait, se contenter d'un plat simple, parce que simple est la divinité du Messie. Ellen G. White nous dit que, parfois, le sabbat, eh bien, c'est vraiment dommage de voir que dans les maisons,
prépare des tonnes de choses très compliquées et que finalement l'esprit est beaucoup moins disposé lorsque l'estomac est plein. La surabondance nuit à la rencontre avec l'amant de nos âmes. Jésus dit avec délicatesse, je te dis cela pour te rendre la vie éternelle, plus douce et plus simple. Elle dit aussi que dans beaucoup de foyers, les parents, quand ils reçoivent du monde, s'inquiètent des préparatifs et dépassent ce qu'ils font pour leurs propres enfants. Ils nettoient, ils rangent, ils font plus que ce qu'ils font pour leur propre famille. Il faut savoir privilégier ce que Dieu privilégie. Alors, soit que Marthe puisse aussi demander de l'aide à l'avance, et donc dans un dialogue constructif, Amos 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ? Au lieu de faire irruption en trombe, on règle les choses au départ, distribution des tâches, délégation, concertation, égale, spiritualité, échange, partage, différent de la colère amère. Soit qu'elle décide elle-même de se mettre aux pieds de Jésus, comme Marie, et du coup, il n'y a pas de repas. Et elle considère sa sœur comme oisive. Mais Jésus ne la considère pas comme oisive. Finalement, tout le monde met la main à la pâte au moment de la préparation du repas. C'est toute la question de ce que vaut la spiritualité. Sœur oisive, spirituelle ne vaut rien pour elle en rapport à son matérialisme bien intentionné qui est spirituel pour elle. Or, ce que Jésus et Marthe considèrent comme la valeur déterminante sont bien différents. Ce n'est pas le même combat, pas le même résultat. La tête pleine, l'esprit rempli, ou le ventre plein et endormi. En d'autres termes, Jean 4 nous raconte l'histoire de Jésus et la Samaritaine. Jésus, lorsqu'il instruit la Samaritaine, il est arrivé, je vous rappelle, fatigué, il a soif et il a faim. Pourtant, à la fin de l'histoire, quand les disciples viennent lui amener à manger, il n'a pas faim et la Samaritaine non plus. La question ici, c'est encore, quelle est la volonté de Dieu ? N'est-ce pas que l'on s'assoit ou que l'on s'assoit comme deux amoureux sur le divan ? La Samaritaine ne sait plus pourquoi elle est venue. Un jeune amoureux, d'ailleurs lorsqu'on est amoureux, on n'a plus faim. Elle pense, Marthe, en interpellant Jésus, qu'elle aura plus de poids, plus de chance de faire bouger sa sœur. Les croyants parfois sont illuminés dans les nuages. Sauf que Marthe va te faire d'une pierre deux coups mortels. Elle blâme Marie. Premier coup mortel. Elle manque de civilité, de compassion. C'est sa petite sœur. Mauvaise méthode d'éducation. Ce n'est pas la méthode de l'agneau. Elle est victime de son intériorité ténébreuse. Ce n'est pas l'esprit qui motive cette réaction. 1 Corinthiens 13 nous dit « L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. » Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Deuxième coup mortel, elle finit par aller cuisiner Jésus directement, comme Moïse, colère, impatience, grave. Elle est sous influence. Elle reproche à Jésus de ne pas se mettre en peine pour ses brebis. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Comme Job, qui va accuser Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est d'être le centre d'attraction. On dirait presque une accusation de Lucifer contre Dieu. On est en plein conflit cosmique. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Elle lui reproche son manque de discernement, manque d'égard, manque d'humanité, de sociabilité. Elle fait une crise de jalousie, notre Marthe. Elle s'attaque à Jésus en personne et devant témoins. Jésus doit la remettre en place. Soit tu retournes à tes fourneaux, mais tu le fais avec joie. Soit tu restes là avec nous et on verra bien pour le repas.
Jésus invite quelque part Marthe à s'asseoir et à veiller sur son âme et à prendre soin d'elle-même, prendre soin de sa relation avec Dieu, avant de veiller à ses activités missionnaires, sociales, humanitaires. Assieds-toi. Amitié de l'Éternel. S'asseoir sur le divan de la psychanalyse de Dieu. Veille sur toi-même. Veille sur Dieu. Psaume 25 nous dit « L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. » Jésus dira à ses disciples « Vous n'avez pas été capables de veiller une heure avec moi. » Peut-être que la vraie raison de cette histoire, c'est la perte du premier amour. Je passais près de toi, je te regardais et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Dans Ézéchiel, au chapitre 16, Dieu nous dit, viens t'asseoir. Dieu a tout ce qu'il faut pour nous instruire. Pourtant, dans Apocalypse 2, à la fin de la Bible, on trouve ce terrible texte qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » La religion, ce n'est pas autre chose que Dieu. Ce n'est rien d'autre que Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu est. Ce n'est pas ce que je fais pour Dieu, c'est ce que Dieu est dans ma vie. Un nouvel amour de la Bible, un nouvel amour de l'Écriture, 66 lettres d'amour. Et pas des études techniques, mais la sève, l'amour, l'esprit qui motive l'étude. Retrouver un nouvel amour pour l'Écriture, un perpétuel tombé amoureux. Ce que je te conseille, c'est d'acheter de moi de l'or. Oui, je te conseille d'acheter de moi de l'or, mais Jésus nous dit, Dieu nous dit, je viens chez toi et j'apporte l'or, le vêtement et l'huile. Je frappe à la porte de ton cœur. Dans le Cantique des Cantiques, on lit ce texte, j'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Dieu est amoureux de nous, Dieu nous aime. Toute une manière de voir et de vivre la religion qui est remise en question ici, s'engager dans des activités missionnaires, sociales, humanitaires, et pourtant on n'y est pas. Je ne vous ai jamais connu, c'est ma crainte. Aussi, parce que tu ne m'as pas donné l'occasion de te connaître. Dimension individuelle, puis communautaire, juste une question d'échelle. Emmener l'Église, attirer l'attention de l'Église, ce que l'on est en train de faire, mais ne pas passer à côté de l'essentiel, comme dans l'histoire de Marthe. La religion, c'est d'abord et avant tout se délecter de Dieu. C'est une rare réalité chez les religieux. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Assieds-toi, ma bien-aimée. Assieds-toi. Assieds-toi, ma bien-aimée. Alors, comment s'organiser pour rendre l'Église amoureuse? Je vous propose d'y réfléchir. Vous allez avoir bientôt les vacances. Et donc, préparez des idées pour la rentrée prochaine. Pour cela, il nous faut une vraie prise de conscience de l'Église. Retomber amoureuse, amoureux de Dieu, le Dieu de la joie, le Dieu du plaisir, et produire des œuvres remplies de l'Esprit, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce qui nécessite une réorganisation, une prise en compte des dons, mais avant tout réfléchir à laquelle des activités nous organisons qui nous permet chaque semaine de retomber amoureuse, amoureux de Dieu. Lesquelles sont nécessaires? Cibler un perpétuel tombé amoureux par la saveur renouvelée de la rencontre. On peut
venir et revenir chaque samedi et ne jamais rencontrer Dieu et être perdu dans l'Église. Cela demande un renouvellement des prédications, une révolution dans les messages, mais aussi une préparation personnelle avant de venir à l'Église. Cela entraînera une guérison définitive, une pensée positive. En fait, je ne vois là rien d'autre que l'expression de la véritable adoration dont Karl nous a parlé sur trois messages. Comment Marthe adore? Comment Marie adore? Comment l'Église adore? Adoration permanente, continuelle? Adoration de Caïn ou de Abel? Adoration de Marthe ou de Marie? On oublie, on ne pense pas que tout ce que nous faisons est un acte d'adoration pour Dieu. Mes sentiments intérieurs, comment s'expriment-ils? Prenons le temps de nous asseoir sur le divan, de passer du temps à l'école de Jésus et de revenir à l'essentiel, la famille biologique et ensuite l'Église. L'épanouissement de notre famille biologique nous permet de glorifier Dieu. En étudiant ce message, j'ai accepté l'idée que tout ce que je fais dans l'Église n'est pas toujours le fruit de l'Esprit. Parfois, peut-être, je passe à côté de l'essentiel. Je dis oui, toujours, en croyant satisfaire Dieu. Mais lorsque, pour répondre à ses demandes, je passe trop de temps éveillé, je néglige ma famille, mes proches, ma santé, je délaisse mon travail, je fais les choses dans l'urgence, la précipitation, je manque de tempérance. Cette Marthe, c'est aussi moi, nous, l'Église, à faire des choses, trop de choses. Nous ne passons peut-être pas suffisamment de temps au pied de Dieu. Jésus nous rappelle ce matin dans cette histoire, il nous interpelle. Ne perdons pas la meilleure place. Grâce au Covid-19, j'ai écouté, observé, réfléchi. Et oui, je suis un peu devenue comme Marie, j'avoue. Mais c'est tellement bon, la place au pied de Jésus.